Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va tranquillement, j'ai la forme, j'ai la patate, j'ai la banane, j'ai tout ce que vous voulez, je vais super bien, je suis de retour. Comment vous dire? Je vais pas trop en expliquer parce que j'ai déjà placé un message pour expliquer un peu le retard que j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Tout simplement, j'étais en vacances, je vais pas en dire plus. Donc si vous voulez écouter ce message, je l'ai placé en première partie de la vidéo Méga Gros Délire numéro 4. Elle est complètement ouf, vraiment, je vous conseille de la regarder, c'est des délires complètement de malade. Je pense que sur toutes les vidéos que j'ai fait, j'ai jamais autant ri avec mes potes, c'était vraiment énorme. Donc je vous conseille encore une fois de regarder cette vidéo et d'écouter surtout le message du début qui explique un peu pourquoi j'ai pris un énorme retard et qu'est-ce que j'ai foutu pendant ces 2 mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 du Savez-vous que, si je me trompe pas. J'espère que vous allez l'apprécier, j'ai préparé le script, on va dire, de la vidéo. Ça va, il y a des bons sujets, il y a des bonnes choses à dire. On va commencer tranquillement, c'est parti. Saviez-vous que une femme passe en moyenne plus de 1 an de sa vie à décider quoi porter? Alors je pense que s'ils prenaient 1 an de leur vie à comprendre que des vêtements ça reste des vêtements, ça serait beaucoup mieux pour eux, tout simplement. Saviez-vous que les personnes vulgaires ont tendance à être plus honnêtes, franches et loyales envers leurs amis? Alors je sais pas trop quoi vous dire pour celui-là, à part que c'est complètement la vérité. Je connais des personnes qui sont plutôt vulgaires et je connais leur personnalité. Et c'est vrai qu'ils sont plus honnêtes, tout simplement. C'est vrai, c'est la vérité. On va pas se mentir, c'est la vérité. Saviez-vous que travailler dans une chambre qui n'est pas rangée vous permet de trouver de nouvelles idées et les rend plus créatifs? Bon, ben tout simplement, la prochaine fois, si votre mère vient vous dire « range ta chambre », tu dirais « non, maman, t'inquiète pas, ça me sert à avoir l'esprit un peu plus ouvert ». Je pense que ça vous fera tenir 2 ou 3 jours de plus, sinon après, je pense qu'une petite tarte dans votre tête, ça vous fera la ranger. Saviez-vous que l'argent peut faire le bonheur quand vous le dépensez pour aider d'autres personnes? C'est totalement vrai, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que... Il y a une expression qui dit que les milliardaires se suicident. Quand vous avez tout, votre vie ne sert plus à rien. La vie est comme un parcours, la vie sert à se chercher, à trouver ce qu'on veut faire, à galérer et à enfin avoir ce qu'on veut. Donc si dès le départ vous avez tout, les gars, j'ai envie de vous dire, arrêtez votre vie maintenant. Donc c'est pour vous dire que... Quand les hommes verront qu'il ne reste plus de richesse naturelle, c'est à ce moment-là qu'ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas. L'argent, c'est du papier, les gars. Vous essayez de voir d'autres choses qui vous apportent le bonheur. L'argent, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'il y a vraiment dans ce monde qui est merveilleux. Voilà. Saviez-vous que un sapiosexuel est quelqu'un qui est sexuellement attiré par l'intelligence de l'autre? En gros, le mec, tu lui mets Beyoncé ou Rihanna devant lui, il s'en bat complètement les couilles. Mais tu lui mets Albert Einstein, le mec super surdoué, il a envie de le ken, tout simplement. Tout simplement, c'est bizarre, mais c'est à peu près ça. Saviez-vous que les câlins avant de dormir permettent de créer un état d'esprit paisible? Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais je sais un truc, c'est que j'adore trop, j'adore super, énormissimement, voilà, ça veut rien dire. Bref, j'adore les câlins, et c'est vrai que c'est plutôt très apaisant, c'est plutôt... Ça fait plaisir, ça permet de me calmer, tout simplement, et donc je pense que c'est vrai, tout simplement. Je sais pas vous, mais en tout cas, j'adore vraiment les câlins. Saviez-vous que des études montrent que les personnes qui dorment avec plusieurs oreillers sont généralement seules et déprimées? Alors, faut que vous sachiez quelque chose, c'est que je dors avec à peu près 2 ou 3, voire 4 oreillers, et je ne pense pas que je suis seul ou encore moins déprimé. Donc, ta gueule, c'est complètement faux, je pense. En tout cas, je sais pas, hein. En tout cas, pour moi, ça marche pas du tout. C'est pas parce que je dors avec 5 ou 6 oreillers que je suis déprimé ou seul. En tout cas, ça marche pas avec moi. Saviez-vous que la musique que vous écoutez peut changer la manière dont vous voyez les choses? Alors pour ma part, c'est complètement vrai. Si par exemple aujourd'hui je me lève et je commence à écouter du Bob Marley toute la journée, je peux vous jurer les gars que je serai vraiment tranquille et posé dans ma journée. Posé, comme dit Sogman. Je serai vraiment tranquille et je réfléchirai plus, je serai plus posé. Et que si par exemple tu mets du, je sais pas moi, du Eminem ou du 50 Cent, je serais plus déterminé, voire, je sais pas, je penserais plus à m'entraîner, à faire des choses un peu plus hardcore, tout simplement. Donc pour moi, en tout cas, ça marche, la musique change beaucoup de fois ma manière de penser dans la journée. C'est vrai, en tout cas, pour ma part. Saviez-vous que les personnes rousses ne représentent que 2% de la population mondiale? Alors, toutes les personnes qui sont roux ou rousses, prenez ça comme tout simplement être unique. Car 2%, c'est vraiment peu. Et être unique dans ce monde, c'est juste merveilleux. Tout ce qui est rare, la rareté se cherche, les gars, faut que vous compreniez. Donc, toutes les personnes qui sont roux ou rousses, qui sont complexées, comment dire, de l'humour assez con, assez conne des personnes qui clashent les roux ou les rousses,
Moi je vous dis les gars, soyez tellement fiers de ça parce que 2% c'est vraiment peu par rapport à 98% qui sont bruns, blonds ou je sais pas quoi. C'est merveilleux tout simplement d'être que vous êtes que 2% sur la planète à être roux, donc soyez fiers d'être roux ou rousses les gars. Ou les meufs, tout simplement. Saviez-vous qu'en moyenne un homme verra 5 femmes par jour avec qui il aimerait coucher? Alors je vais pas vous dire si c'est vrai ou faux. Les hommes savent la vérité, tout simplement, on va pas se mentir, hein, les gars, vous savez si c'est vrai ou faux. Hein. Mais ça penche plutôt vers le vrai, on va pas en dire plus. Saviez-vous qu'il était prouvé que le rire, écoutez bien celui-là, les gars. Saviez-vous qu'il était prouvé que le rire réduit le stress, soulage la douleur, renforce le système immunitaire et aide à protéger le cœur? Alors, s'il y a bien une chose qu'il faut que je vous conseille et que je vous dise, c'est vaut mieux rire qu'en pleurer, les gars. Et le rire fait partie des meilleures choses qu'il y a dans ce monde. Le rire, et c'est complètement merveilleux de rire. Ça vous apporte le plaisir, ça vous apporte le bonheur. Donc, allez voir vos amis, riez, mettez votre micro, allez jouer à la play, riez, allez voir votre meuf, riez. Riez. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, les gars. La tristesse, ça fait que envoyer encore plus de tristesse. Positiver pour attirer le positif, les gars. Je sais pas si j'ai été très logique dans ça, mais je pense que vous m'avez compris. En gros, pensez bien et vous aurez du bien. Pensez du mal et vous arriverez que du mal, tout simplement. Saviez-vous que un russe. Alors, lui, les gars, ce mec est fou. Hein. Faut que je vous précise, ce mec est complètement malade, ok? Saviez-vous que un russe a un jour bu 3 bouteilles de vodka? Ok, 3 bouteilles, hein, faut que vous compreniez, 3 bouteilles. Essayez juste d'en boire une, vous êtes complètement mort, alors 3. 3 bouteilles de vodka a sauté du 5ème étage et remonté et a ressauté. Alors si le mot fou devrait être associé à quelqu'un, ça serait ce mec. C'est un malade. Est-ce que vous comprenez? Le mec déjà a réussi à boire 3 bouteilles, je sais pas comment il a fait. C'est complètement impossible. Ensuite le mec il saute du 5ème étage. Il est pas mort. Il se rend compte qu'il vient de sauter du 5ème étage et il remonte pour ressauter. Ce mec a pas de définition. Ce mec est malade psychologiquement. C'est un malade, tout simplement. Il faut être fou. Je vais pas rester plus longtemps sur ce mec parce que je vais devenir fou à force d'en parler. Saviez-vous que rager augmente notre tolérance à la douleur d'environ 50%? Bon, ben je pense que ce saviez-vous que s'applique à peu près 95% de mes abonnés, puisque je pense que vous avez tous déjà joué à Call of Duty, et sur Call of Duty, il n'y a pas une partie où on rage pas au moins une fois. À part si vous êtes un moine Shaolin qui médite en partie. Donc je pense pas que vous êtes un moine Shaolin qui médite et qui joue à Call of Duty. Donc vous avez tous déjà ragé au moins une fois. C'est obligé les gars. Donc ce saviez-vous que s'applique à vous. On a tous ragé. Ce jeu est rageant. Même si j'arrive quand même à délirer plus souvent qu'à rager sur ce jeu. Saviez-vous que Apple a vendu plus de 10 millions d'iPhone 6 et iPhone 6 Plus le week-end d'ouverture? 10 millions, c'est complètement ouf. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 millions, est-ce que vous imaginez le fric qu'ils se sont fait avec ça? Surtout avec le prix qui les vendent. J'ai pas vérifié le prix, excusez-moi. Mais c'est complètement ouf. Donc toutes les personnes qui savent le prix du iPhone, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça moi je vais savoir. 10 millions, c'est complètement ouf. Saviez-vous que un renifleur de paix professionnel est un vrai travail en Chine qui rapporte à la personne qui l'exerce plus d'environ 50 000 euros par an? Vous savez, dans Saviez-vous que c'est pas vraiment celui qui renifle le paix qui m'inquiète, c'est celui qui le paye en fait. Est-ce que vous comprenez que le mec quand même s'est dit je vais payer quelqu'un pour qu'il renifle mes paix? Attends, c'est complètement malade, il faut être fou pour faire ça, je savais pas que c'était possible. Donc le mec aime voir le mec souffrir quoi, il aime le voir sentir son paix quoi. Oh putain de merde, pourtant ça fait on va dire 6 fois que je révise mon script de la vidéo et à chaque fois que je le lis je rigole, c'est complètement hard quoi. Saviez-vous qu'une étude suit 19 000 enfants depuis 10 ans qui jouent couramment aux jeux vidéo et ils ont constaté qu'en aucun cas les jeux vidéo étaient nocifs pour eux. Donc les gars, si quelqu'un vous dit arrête de jouer aux jeux vidéo, c'est pour les cons, t'es un geek ou je sais pas quoi, dites-lui tout simplement de fermer sa putain de gueule, ok? Parce que les jeux vidéo, ça permet, je sais pas pour vous ou pour d'autres, mais ça permet de passer un bon moment tout simplement. Que ça soit dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle, on s'en bat les couilles, on est sur cette terre, on passe un bon moment avec nos amis, on est au micro tranquillement. Là les gars, je suis pas en train de vous dire de passer non plus toute votre journée à geeker sur la play, mais les jeux vidéo ça permet de passer un bon moment avec ses amis, ça permet de réfléchir et de passer à autre chose parce que, désolé mais... École, 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 venir dormir, école, école, venir dormir, et en plus on nous dit de pas passer un petit moment avec nos potes. Désolé, mais il faut être un peu fou pour faire ça. Donc les amis, ce saviez-vous que touche à sa fin, comme vous le saviez tous à peu près, un saviez-vous que ne finit jamais sans un petit bonus, et je vais vous en dire un assez ouf.
Saviez-vous que les humains et les dauphins sont les seules espèces à pratiquer le sexe pour le plaisir? Ok, donc les humains à 99,99 milliards de 99,99%, on sait tous que c'est pour le plaisir, hein, à part si vraiment t'as envie de faire un enfant. Dans tous les cas, tu feras quand même plaisir, donc c'est pour le plaisir, ta gueule. Par contre, pour les dauphins, je savais pas, donc j'ai appris quelque chose. J'espère aussi qu'il vous a fait plaisir, ce petit bonus qui est assez énorme, hein. Les dauphins et les humains sont les seules espèces à pratiquer le sexe pour le plaisir. Donc au moins vous aurez appris quelque chose de assez pas utile aujourd'hui. Bon voilà, le savez-vous que le numéro 15 est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Les gars, je vous conseille tous de rester connectés. Il y a des choses énormes qui se préparent sur cette chaîne. Je prépare une vidéo par semaine ou même moins. Une vidéo chaque 4 jours, peut-être des fois. J'espère que vous avez kiffé ce qui va arriver. Il y aura du gros délire sur Black Ops 2, des méga gros délires sur GTA, des savez-vous que... Restez connectés, c'est un conseil. Je vous conseille encore d'aller regarder la méga godelia numéro 4 si vous ne l'avez pas vue. Elle est juste énorme les gars. Donc voilà, je vous dis peace, je vous dis merci à tous. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est dire que vous êtes encore actifs sur ma chaîne. Et là, ça, je peux pas vous dire... Je peux rien vous dire d'autre que merci, merci et merci. Allez les gars, je crois que j'ai assez parlé. C'est le dernier mot que je vais vous dire. Merci.